Bonjour, chers élèves. Je suis M. Malunda Service, professeur de SVT. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours de SVT. Ce cours porte sur l'OG1, comprendre la cartographie. Et de même, sur l'OS11, lire les cartes topographiques et géologiques. Nous avons déjà débuté cette séance et aujourd'hui nous allons la continuer avec les éléments de la carte topographique. Pour reconnaître une carte topographique, vous avez plusieurs éléments. Ou bien pour réaliser une carte, on utilise plusieurs éléments. Et parmi ces éléments, nous avons déjà étudié l'échelle, nous avons déjà étudié les courbes de niveau. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les courbes de niveau. Alors, nous rappelons qu'il existe plusieurs formes de courbes de niveau. Il y a les courbes de niveau maîtresse, il y a les courbes de niveau normale, il y a les courbes de niveau intercalaire. Et ces courbes de niveau sont caractérisées par leur équidistance. Et l'équidistance, c'est la distance verticale constante qui sépare deux courbes de niveau consécutives. Mais les courbes de niveau peuvent également se caractériser par un autre élément qu'on appelle l'écartement. Alors, nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que l'écartement. Par définition, l'écartement est la distance horizontale variable qui sépare deux courbes de niveau consécutives. Contrairement à l'équidistance qui est une distance constante, l'écartement peut varier d'un point à un autre de la carte. Et à partir de l'écartement, on peut déterminer la nature de la pente. Donc, à partir de l'allure des courbes de niveau, nous pouvons déterminer les différentes pentes. Bien, l'écartement, c'est cet espace-là. Ici, on voit, là, c'est l'écartement. Entre deux courbes de niveau consécutives, vous avez cet espacement-là. C'est ce qu'on appelle l'écartement. Et cet espacement varie d'un point à un autre de la carte et peut nous donner donc la nature de la pente. Alors, ici, nous avons plusieurs cas que nous pouvons rencontrer dans une carte topographique. On peut déterminer ici, entre les différentes courbes de niveau, nous constatons que l'espacement ne varie pas. L'espacement est le même lorsqu'on part de latitude 800 à latitude 700. Vous avez le même espacement. De même ici, nous avons le même espacement de latitude 800 à latitude 700. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Dans ce premier cas, les courbes de niveau sont plus espacées et dans le deuxième cas, les courbes de niveau sont plus rapprochées. Donc ici, nous avons une pente constante. Et là aussi, nous avons une pente constante. Par rapport à leur espacement, qui est le même. Mais on va déterminer entre ces deux pentes constantes une différence au niveau de l'espacement. Ici, les courbes sont très espacées et là, les courbes sont très rapprochées. Lorsque les courbes de niveau sont très rapprochées, la pente, elle est constante mais forte. Donc, pente constante, forte. Les courbes de niveau sont très rapprochées. Et lorsque les courbes de niveau sont très espacées, la pente, elle est constante, mais faible. Troisième cas de figure. Ici,
nous constatons que l'espacement change lorsqu'on passe de l'altitude 800 à l'altitude 700. Les courbes de niveau sont d'abord espacées, puis elles sont plus rapprochées. De même ici, les courbes de niveau d'abord espacées, plus rapprochées. Donc ici, nous avons affaire à des pentes qui sont variables. Pentes variables. Également, nous allons déterminer à partir de la variation de l'altitude, quel type de pente variable avons-nous ici. Lorsque les courbes de niveau sont de plus en plus rapprochées, lorsque les altitudes diminuent, la pente, elle est dite variable, mais convexe, avec donc un renflement, un bombement. Et lorsque les courbes de niveau sont de plus en plus rapprochées, lorsque les altitudes augmentent cette fois-ci, la pente, elle est dite concave. Donc, nous avons deux pentes variables, pente variable convexe. Les courbes de niveau sont de plus en plus rapprochées, mais lorsque les altitudes diminuent, pente variable concave, les courbes de niveau sont de plus en plus rapprochées, mais lorsque l'altitude augmente. On va réaliser les schémas pour montrer comment se présente l'allure de ces différentes pentes. Nous allons représenter les différentes pentes. Alors, lorsque la pente, elle est constante et faible. Alors ici, nous sommes à l'altitude 800. Là, nous sommes à l'altitude 700. Voilà. Pente. Donc, la pente, c'est l'inclinaison par rapport à l'horizontale. Donc, nous allons schématiser cette pente. Voilà. La pente, elle est constante, faible. Maintenant, si la pente, elle est constante et forte, nous partons toujours de l'altitude 800 à l'altitude 700. Donc, on descend. Cette fois-ci, nous avons une pente constante, forte. Donc, ici, vous avez une pente faible, pente constante, faible. Et là, vous avez une pente constante forte. Maintenant, pour les pentes variables, on a dit, lorsque les courbes de niveau sont de plus en plus rapprochées, lorsque les altitudes diminuent, la pente, elle est convexe. Donc, nous partons de l'altitude 700 à l'altitude, de l'altitude 800 à l'altitude 700, et voilà notre pente convexe. Maintenant, on peut avoir une pente concave lorsque les courbes de niveau sont de plus en plus rapprochées, lorsque cette fois-ci, les altitudes augmentent. Alors, cette fois-ci, alors nous allons prendre une pente convexe. Une pente concave. Voilà, ça forme une cavité. Pente concave, ça forme une cavité. Donc ici, nous avons une pente constante. Pente constante. Pente constante, forte, faible plutôt, pente constante faible. Ici, la pente, elle est forte. Ici, nous avons une pente convexe. Et là, nous avons une pente concave. Donc, nous résumons. L'écartement est la distance horizontale qui varie d'un point à un autre de la carte
cette distance donc sépare deux courbes de niveau consécutives. Voilà ce que nous avons ici. Deux courbes de niveau consécutives. L'espacement qu'il y a entre ces deux courbes de niveau, c'est ce qu'on appelle l'écartement. Alors, l'écartement va nous donner la nature de la pente. Qu'est-ce que la pente? La pente, c'est l'inclinaison par rapport à l'horizontale. L'inclinaison d'un terrain par rapport à l'horizontale, c'est ce qu'on appelle la pente. Selon donc l'espacement entre les différentes courbes de niveau, on peut avoir plusieurs types de pentes. Ici, dans ce premier cas, l'espacement est le même. Dans le deuxième cas également, l'espacement est le même. Sauf que dans le premier cas, les courbes sont plus espacées, tandis que dans le deuxième cas, les courbes sont plus rapprochées. Et lorsque les courbes sont plus espacées, nous avons une pente constante faible. Et lorsque les courbes sont plus rapprochées, nous avons une pente constante forte. On peut aussi avoir ce cas de figure où vous avez donc l'espacement qui diminue lorsque les altitudes diminuent. Nous passons de 800 à 700, les altitudes diminuent, mais l'espacement aussi diminue. À ce moment-là, vous avez une pente variable. Et cette fois-ci, c'est une pente variable, elle est convexe. Voilà, une pente variable convexe. Bien. Maintenant, si cet espacement diminue, alors que les altitudes augmentent, à ce moment-là, nous avons une pente variable, mais qui est concave. Ça forme une cavité. Ici, ça forme un renflement. Voilà donc les différentes pentes que nous pouvons avoir. On peut aussi calculer, la pente. Comment calculer la pente? Le calcul de la pente. Alors, on peut calculer la pente, mais la pente en pourcentage. Alors, on va prendre un exemple. Alors, calculer la pente. Calculer la pente en pourcentage. Calculer la pente en pourcentage entre les points A et B d'altitude entre les points A et B d'altitude respective. D'altitude respective mètres et 700 mètres séparés par une distance petit d égale à 5 cm sur une carte dans l'échelle numérique est E égale 1 sur 20 000. Donc, on va essayer de calculer la pente. On calcule la pente en pourcentage. On peut calculer la pente en degrés, mais ce qui est retenu, c'est la pente, le calcul de la pente en pourcentage. Donc, calculer la pente en pourcentage entre les points A et B. Ces points ont pour altitude 800 mètres et 700 mètres. Et sur la carte topographique, ces points-là sont distants de 5 cm. Alors, il y a une formule qui permet donc de déterminer la pente. Alors, P égale delta H, sur grand D
multiplié par 100. Bien. Que représente delta H? Que représente delta H? Alors, delta H, c'est la dénivellation, c'est-à-dire la différence d'altitude entre les deux points. Donc, c'est HA moins HB. Alors, dans notre exemple ici, HA est égal à 800 et HB est égal à 700, ce qui nous donne delta H égale 100 mètres. Ensuite, grand D. Grand D, c'est la distance réelle. Alors, nous savons tout simplement que pour avoir la distance réelle, il faut multiplier la distance sur la carte par le dénominateur de l'échelle. Donc, on va prendre ces petits d sur E. Grand D. Grand D, c'est la distance réelle. Pour obtenir la distance réelle, on utilise cette formule, c'est petit d divisé par l'échelle. Alors, nous connaissons petit d, c'est 5 cm. Nous connaissons l'échelle, c'est E sur, c'est 1 sur 20 000. Alors, ce qui nous permet d'avoir grand D égale 5 multiplié par 20 000. Grand D qui nous donne 100 000 centimètres. Et on convertit les 100 000 centimètres là en mètres, ce qui nous donne 1000 mètres. Voilà. Nous avons toutes les données ici. On peut revenir à la formule de la pente. P égale. Alors, delta H, on a trouvé que c'est 100. Alors, l'échelle, grand D, on a trouvé que c'est 1000. Et on multiplie par 100, ce qui nous donne P égale. On fait un petit calcul. 10%. Voilà comment on calcule la pente. C'est une pente faible. Donc, nous avons la formule, c'est simple. Une fois qu'on a la formule, on cherche donc les éléments de cette formule-là. Delta H, c'est la différence d'altitude entre les deux points. On nous a donné ça. Le point A à l'altitude 800, le point B à l'altitude 700. On fait donc la différence. Et puis, grand D, là où les élèves se trompent souvent, grand D, c'est la distance réelle, mais la distance réelle entre les deux points, entre A et B. Alors ici, on nous a dit que les deux points sont séparés par une distance de 5 cm. Mais on ne reste pas là. Une fois qu'on a déterminé la distance réelle, ici on a trouvé 100 000 cm, il faut convertir ça en mètres. Et une fois qu'on l'a converti en mètres, voilà, donc les 100 000 cm, nous convertissons ça en mètres, ce qui nous donne 1000 mètres. Et après, on fait le petit calcul, ça nous donne 10%. Voilà donc ce que nous pouvons donc dire en ce qui concerne le point sur l'écartement. Donc, on peut avoir plusieurs espacements dans une carte topographique. L'espacement varie. Donc, l'écartement varie d'une carte, disons, d'un point à un autre de la carte. Et à partir de cet écartement, on peut déterminer l'allure de la pente. On peut avoir la pente constante, on peut avoir la pente variable. Et quand la pente est constante, elle peut être faible, elle peut être forte. Et quand la pente est variable, elle peut être convexe, elle peut être concave. Et on peut aussi déterminer par un petit calcul la valeur de la pente, la valeur de la pente entre deux points. Et cette valeur, nous la trouvons en pourcentage. Bien, nous allons passer à un autre élément de la carte qui est un autre élément de la carte topographique qui est le point côté. Le point côté. Donc, petit 3, le point côté. Alors, sur les cartes topographiques,
on peut aussi avoir cet élément qu'on appelle le point côté. Donc, à côté des courbes de niveau, vous avez un autre élément qui va permettre de reconnaître une carte topographique, c'est le point côté. Comme son nom l'indique, le point côté, c'est le point qui indique la côte, c'est-à-dire l'altitude. Comme au niveau de certaines courbes de niveau qu'on appelle les courbes de niveau maîtresse, nous avons donc une côte qui indique l'altitude de cette courbe de niveau maîtresse. Il y a également sur la carte topographique des points qui portent la côte, c'est-à-dire l'altitude. On va essayer de montrer cela à l'aide d'un schéma. Comment sont représentés les points côtés? Alors, rapidement, nous allons prendre une carte des courbes de niveau. La courbe de niveau. Voilà. On peut avoir par exemple ceci. 927. Vous avez donc un point, c'est bien visible sur la carte, et à côté de ce point-là, vous avez une courbe de, disons, vous avez un nombre, et ce nombre-là indique la côte, c'est-à-dire l'altitude. Donc, à ce niveau-là, vous avez donc l'altitude 927. Alors ici, on peut prendre alors 927, 920, 900, 880, 860, 840, 820. Alors, je peux prendre ici 817, par exemple. 817. Voilà, ça aussi, c'est un point côté qui nous indique l'altitude, de cette partie de la carte. Donc, sur les cartes topographiques, vous avez les courbes de niveau, mais vous avez aussi les points côté, les points qui indiquent la côte. Bien. Après les points côtés, un autre élément de la carte topographique, c'est l'orientation. L'orientation. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par orientation? C'est la position d'un point par rapport à un autre point de la carte déterminée par la direction ou la position des points cardinaux principaux. Et ces points cardinaux principaux sont déterminés à partir de la rose des vents. Donc, si nous voulons donner l'orientation de deux points ou bien d'un segment, l'orientation d'un segment sur la carte, nous devons utiliser un système d'orientation qu'on appelle la rose des vents. La rose des vents, c'est un système d'orientation qui nous donne la position des quatre points cardinaux principaux ainsi que les positions intermédiaires. Alors, nous allons montrer comment on trace, comment on représente la rose des vents. Parce que pour que vous déterminiez l'orientation, il faut avoir la rose des vents. Mais votre rose des vents, il faut la représenter. Alors, comment nous allons la représenter? Alors, première étape, nous traçons une droite horizontale. Bien, on trace une droite horizontale. Bien. Et après, nous allons tracer
perpendiculairement à cette droite. Nous allons tracer perpendiculairement à cette droite. Là, nous traçons. Il faut que ça soit bien perpendiculaire. Alors, chez moi, ce n'est pas perpendiculaire. Alors, faisons ça perpendiculairement. Bien. Perpendiculairement. Nous allons tracer perpendiculairement notre droite. On va se servir de la règle. Bien. Bien, il faut bien vérifier que les deux droites sont perpendiculaires. Voilà. OK. Voilà. Alors, ici, nous mettons le nord et en bas, nous mettons le sud. Là, nous allons mettre l'ouest et ici, nous mettons l'est. Alors, voilà les quatre points cardinaux. Ensuite, nous allons déterminer les directions intermédiaires. Alors, en prenant chaque fois le milieu de chaque angle, donc ici, bien que ce soit le milieu. Bien. Alors, quelle est cette position? Quelle est cette direction-là? Alors, ici, ça sera le nord-est. Nord-est. Là, c'est le nord-est. Et puis, de l'autre côté, on prend l'opposé, c'est-à-dire le sud-ouest. Après, on fait la même chose de ce côté. Alors, on vérifie que c'est bien au milieu. Il faut que ça soit bien au milieu. Bien. Alors, à ce moment-là, nous avons ici... Nous avons ici, on prend le milieu, c'est le nord-ouest. Et de l'autre côté, nous avons le sud-est. Bien, on continue. Alors, nous prenons cette direction. OK, cette direction nous donne, alors on prend le nord, nord-est, et ici, à l'opposé, ça sera le sud, sud-ouest. Bien, alors nous prenons ici. Alors, on vérifie toujours que c'est bien au milieu. Sinon, on aura faussé notre direction. Bien, là, on va être au nord, nord-est. Et ici, nous sommes au sud, sud-est. C'est l'opposé. Bien, c'est pas fini. On continue. Alors, nous prenons cette orientation.
Bien, ce qui nous donne ici l'est, nord, est. Et de l'autre côté, nous avons l'ouest, sud, ouest. Bien. Alors, ensuite, nous avons la position. Ouest, nord, ouest, et nous avons est, sud, est. Bien, voilà donc la position des points cardinaux. Nous avons la position des points cardinaux principaux, le nord, le sud, l'ouest et l'est. À côté de ces points cardinaux, nous avons donc les positions intermédiaires. Nous avons donc la rose des vents, notre rose des vents ici, qui nous donne la direction des quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'ouest et l'est. Et après, nous avons les directions intermédiaires. Alors, parmi les directions intermédiaires, alors nous avons ici le nord-nord-est. Ici, nous avons le nord-est, est-nord-est. Ici, nous avons est-sud-est, le sud-est. Alors, ici, on va remarquer, ici, nous avons le nord, pas le nord-nord-est, mais le nord-nord-est. Parce que ça vient de nord ici et de nord-ouest. Donc nous avons le nord-nord-ouest, donc ce qui est opposé au sud-sud-est. Et vous avez encore le sud-sud-ouest, qui est opposé donc au nord-nord-est. Vous avez le sud-ouest ici, le nord-est ici, ouest-sud-ouest, est-nord-est, et ainsi de suite. Donc vous avez donc les directions qui vont vous permettre donc d'orienter votre segment. Alors, exemple. Exemple. Si on me demande de donner l'orientation du segment AB, orientation du segment AB, orientation du segment AB. Alors, tel que AB, alors si je prends ceci, voilà AB. Le segment AB. Alors, quelle est l'orientation du segment AB? Alors, nous cherchons sur la rose des vents cette direction-là, AB. Donc, le segment AB. Ici, on voit le segment qui est parallèle à AB, c'est ouest-est. Donc, AB est orienté ouest-est. AB est orienté ouest-est. Voilà l'orientation du segment AB. Bon, on peut choisir d'autres orientations. Par exemple, on va prendre le segment. Alors, on prend le segment. CD. CD. On regarde sous la rose des vents. Le segment CD. Parmi les directions là, quelle est la direction qui est parallèle à CD? Donc il faut regarder. Alors CD est parallèle, on regarde, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça.
Mais je vois plutôt que c'est celui-ci. Hein, ce segment-là a la même direction que notre segment CD. Donc, notre orientation CD est orientée sud, sud-ouest vers nord, nord-est. Alors, voilà comment la rose des vents nous permet donc de déterminer l'orientation, la position d'un point par rapport à un autre. Vous avez donc le point A est situé à l'ouest du point B et le point B est situé, non, le point A est situé, oui, à l'ouest du point B. Non, le point B est situé à l'est du point A et le point A est situé à l'ouest du point B. Donc, c'est l'orientation ouest-est. Donc, il faut être capable de représenter correctement la rose des vents, mais vous pouvez déjà retenir les positions, là c'est facile à retenir, nord, nord-est, nord-est, est, nord-est, ou bien nord, nord-ouest, nord-ouest, ouest, nord-ouest. Ces directions-là, vous pouvez les visualiser déjà, et une fois que vous les avez, vous pouvez facilement déterminer l'orientation d'un segment. Alors, voilà donc les différents points que nous avons pour les cartes topographiques. Nous allons passer à un autre élément de la carte topographique. Nous allons passer à un autre élément de la carte topographique. Alors, donc, après avoir étudié les éléments de la carte topographique, nous allons maintenant étudier les éléments du relief, les formes de relief, les différentes formes de relief et leurs éléments. Nous allons donc passer à un autre point. Ce point est le point 4. Il s'agit des formes de relief. Les formes de relief. Alors, nous allons commencer d'abord par définir qu'est-ce qu'on entend par relief. C'est quoi le relief? Alors, sur une carte topographique, nous avons vu qu'il y avait des courbes de niveau. Et ces courbes de niveau correspondaient à des altitudes. Une courbe de niveau, c'est une ligne qui relie les points présentant la même altitude. Vous avez également les points côtés. Les points côtés, ce sont donc des points qui déterminent donc la côte, l'altitude également. Donc, en fait, sur les cartes topographiques, vous avez donc des figurations des altitudes. À partir donc des courbes de niveau, nous pouvons donc avoir déjà le relief. À partir de l'allure des courbes de niveau, on peut déterminer les différentes formes de relief. Le relief, c'est l'ensemble des inégalités d'altitude de la surface terrestre. Tous les points de la surface terrestre ne présentent pas la même altitude.
ne se retrouvent pas à la même altitude. Donc, il y a des points qui sont situés à des hautes altitudes et il y a des points qui sont situés à des basses altitudes. À ce moment-là, donc, nous avons une inégale répartition des altitudes sur la surface terrestre. À ce moment-là, l'ensemble de ces inégalités d'altitude va constituer ce qu'on appelle le relief. On peut donc avoir plusieurs formes de relief. Nous allons donc représenter Voilà, comment représenter les formes de relief et leurs éléments sur la carte topographique. Nous avons dit à partir de l'allure des courbes de niveau, nous pourrons donc avoir les formes de relief. Nous allons faire quelques schémas qui nous permettent donc de comprendre.
À partir de l'allure des courbes de niveau, nous pouvons donc déterminer les différentes formes de relief. Au niveau du schéma A, nous remarquons que les courbes de niveau sont circulaires ou concentriques, mais leur altitude décroît de la périphérie vers le centre. À la périphérie, vous avez la grande altitude et au centre, vous avez la petite altitude. Ici, la forme de relief, c'est la cuvette. Ensuite, nous avons ici toujours des courbes de niveau circulaires ou concentriques, mais l'altitude augmente de la périphérie vers le centre. À la périphérie, nous avons la plus petite altitude et au centre, nous avons la plus grande altitude. Ici, la forme de relief est la montagne et au niveau de cette montagne, nous avons le sommet qui est un élément de la montagne. Ce sommet-là, ici, il culmine à 960. Le point côté qui est au centre des courbes ici représente le sommet. Ensuite, vous avez ici, nous avons au niveau de ce schéma C, des courbes de niveau circulaires ou concentriques et les altitudes augmentent de la périphérie vers le centre. Ici, la forme de relief, c'est la colline. À différencier avec la montagne, on voit ici l'espacement n'est pas le même. Au niveau de la montagne, les courbes de niveau sont très serrées. Et au niveau de la colline, les courbes de niveau sont très espacées. Et on regarde aussi les altitudes. Au niveau de la montagne, les altitudes sont faibles, tandis qu'au niveau de la, colline plutôt, les altitudes sont faibles. Et au niveau de la montagne, les altitudes sont très élevées. Enfin, une troisième forme de relief, c'est la vallée. Les courbes de niveau dessinent la lettre V. Et la pointe des V est traversée par une ligne ici qui représente un cours d'eau. Il s'agira ici d'une vallée drainée. S'il n'y a pas de cours d'eau à ce moment-là, c'est une vallée non drainée. Vous avez au niveau de la pointe des V, non plus une ligne continue, mais une ligne en pointillé qui représente le talweg. Voilà donc les différentes formes de relief que l'on peut avoir sur une carte topographique. Nous avons donc, par ces formes de relief, terminé notre séance d'aujourd'hui. Et à la prochaine séance, nous allons vous montrer comment représenter le profil topographique. À partir d'une carte topographique, comment réaliser un profil topographique. Donc, chers apprenants, nous vous donnons rendez-vous pour la suite de notre leçon.